et de pas être trop haut au cas où s'il y a de l'anti-aérien. Mettre tranquille dans un coin. Le drone a décollé. Sicario en vue, avec un PM. Là, à côté du labo flottant. Ennemi numéro 3. J'en vois un autre, ça fait 5. Je désigne un ennemi, il a des civils à côté de lui. J'en vois 10, un sniper en haut de la tour. Il y a un sniper là-bas. J'ai un sniper en visuel. Il y en a du snipe. On arrive à 15. Il y a un sniper là-bas. Je crois que j'ai tout eu. Hein. Oh putain, tu m'as fait peur. Merci Kaïs, merci pour ton follow. Mobile vers position reçue, je vais me placer. Allez. Faites gaffe, ils savent qu'on prépare quelque chose. J'ai dans le viseur. Merde, j'ouvre le feu. Terminé pour lui. On part de l'autre côté, c'est tout. Mais ça va très bien. Ils m'ont pas vu là. Je m'y suis mal pris. Position. Je l'ai buté. On va attendre qu'il se regroupe. On va le nettoyer parce que sinon ça va durer de 10 000 ans. Derrière la colline. Je me mets en position. Je rejoins un poste de tir.
Reçu. Cible marquée. Et un de moins. C'est un civil. Ok. Joli tir. Allez, on fait le ménage et on avance. On s'approche de l'objectif. On perd pas de temps. On monte à bord, on trouve un moyen de détruire le labo et on s'arrache. On n'a pas assez d'explosifs pour faire péter cette saloperie. Une idée ? Il y a déjà tout ce qu'il faut là-dedans. On a juste besoin d'allumer le gaz. Il y a du gaz qui sort. Il nous faut plus qu'une étincelle. Et foutre le camp ? Et après ça, on fout le camp. Frag lancé. Faut peut-être vraiment contre. Frag lancé, attention les yeux. Étale. Pourquoi ils me disent utiliser ? Con con quoi ? 10 jours avant The Phase 9. Je le ferai pas tout de suite. Ah ça. Ok, c'est bon. On fout le camp du bateau avant qu'il explose. Du coup, c'est même plus simple. Bougez-vous le cul, ça va sauter. Tu devrais te barrer, Bob. Ça va péter. Ah oui, c'est pas faute de l'avoir prévenu. Hein. Journée, on fait péter un truc, c'est une bonne journée. Et les missarios ont intérêt à intervenir en urgence, ou son papy va lui faire la peau. On va continuer à lui mettre la pression jusqu'à ce qu'il craque, et là on le chope. Désigne une cible. Attention aux civils à côté. Il y en a un que j'ai pas eu là. Il est où ? Ah, il était là. Désigné. Par contre, il est à peu près des civils. L'alarme. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Faut que je défonce l'alarme. On aura un hélico au cas où si on veut partir. Mais eux aussi, ils ont l'hélico au cas où si ils se barrent. Il doit être à l'intérieur. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Je désigne la cible. Attention aux environs immédiats. 9 et 1 qui font 10.
Je vois un narco du cartel. Je les vois nulle part. Pas de la pile de pneus. Contrôlez vos cibles. J'ai deux cibles sur vos pieds. À côté de la pile de pneus. Oh, je l'ai eu. Merci les balles perforantes. J'ai du ravitaillement ici. Oh oh, t'es juste. Désigné, mais attention aux civils à côté. J'ai viré cette alarme à la con. Casse-toi. Ok, là je les ai tous. Ils ont un générateur. Ça fait 15 de ces angoisses. Attention aux panneaux lumineux. Et... on va essayer déjà de dégager les alentours. Non, lui, c'est pas un ennemi. Pas mal. Je vois un sicario dans le labo. Il y a une alarme là. Les alarmes sont coupées. Aucun risque de renfort aérien. Là-bas, je l'ai vu. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Sniper, en haut de la tour. Je vois deux sicarios. Fais voir où ils sont. À l'intérieur du labo.
On s'approche de l'objectif. En avant. On doit s'infiltrer pour détruire leur cuve de mélange et leur four. Ça suffira à fermer le labo pendant des mois. Mais faut que je nettoie avant, là. Ça va être une misère, sinon. Faut que j'arrive à savoir où est-ce qu'ils sont à l'intérieur. Ok, c'est bon. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Là, je les ai tous. Je vois des sicarios sur zone. Tu les situes où ? Dans le labo. Merde. Ils vont me griller, recule. J'ai tiré sur un des murs où ils étaient. Ils ont trouvé les corps. Essayer d'en choper à l'arrière. Reçu, je me mets en position. Cible repérée. Je rejoins un poste de tir. Merde, putain, il est monté carrément. Je tire, fous-toi à couvert. Faire ceux dans le bâtiment. On va essayer d'éteindre les générateurs aussi. Hélico de l'Unidad en patrouille, attention. Décale drone.
trouver une cible avec des pistolets mitrailleurs. Si acercamos la pista, voy a ir a ver sus muelles si no hay nada ahí. Vamos a seguir buscando y dar con su pinche rastro. Je me mets en position. Cible marquée. Ok, mobile vers la position. Attends, je dois trouver un bon angle de tir. À ton signal. J'en ai eu un. Hélico, baissez-vous. Mobile vers position. J'ai la cible en visu. La cible est neutralisée. C'est passé tout près. Okay. Zone nettoyée. C'est bon. Par là, une caisse d'armement. Génial. Ça va être utile, ça. Ça. Comme vous, s'il y en a un qui se ramène, une patrouille ou quoi. C'est au-dessus. Ouais, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Attention, on a des ennemis sur zone. Je vois un narco du cartel. La berge, par là. La lampe, c'était quoi? Putain, je me souviens même plus. Oh putain. Bonjour! Chut, l'ennemi a entendu l'explosion. Sans déconner. C4, j'en ai deux. Charge posée et amorcée. J'ai amorcé le C4. Je vais en reprendre. La charge est amorcée. Tout ça est détruit. Et l'émissario a intérêt à sortir les doigts du cul, sinon il va vite se retrouver sans rien à faire tourner. C'est un peu le but. Nomade, ici Pat Katari. El Emissario est très nerveux après tous les dommages que vous avez causés à Okoro. Il craint plus que tout la réaction d'El Yayo quand il constatera les dégâts en termes de capacité de production. Jusque-là, moi ça me va. Pour compenser, El Emissario a ordonné à ses hommes de prendre le contrôle d'un hôpital à Okoro, pour le transformer en labo de cocaïne. Le fils de pute. Il faut empêcher le cartel de prendre cet hôpital. Il est vital pour les habitants d'Okoro, autant que pour mes hommes. J'ai envoyé un petit groupe le défendre, mais ça ne suffira pas. Je crains qu'ils ne tiennent pas longtemps sans aide. Compris. Dis à tes hommes qu'on arrive. Non. J'ai pris. Donc. C'est juste là.
On arrive à l'hôpital. Et l'émissario n'a pas l'air d'être passé à l'attaque. Il faut qu'on avertisse le commandant rebelle de notre présence. On est derrière toi, chef. Ça va être la guerre. Merci Rémi, merci pour ton follow, bienvenue. Bienvenue. Ça va être un bordel phénoménal. Qu'est-ce que qu'on passe? Vous arrivez au bon moment. Mes éclaireurs me signalent que les hommes de l'émissario approchent. Comment ça se présente? Nous avons envoyé autant de médecins et de patients que possible. Plus quelques camions chargés de médicaments et de vaccins. Comme ça, même si on perd l'hôpital, on aura quand même de quoi traiter les malades et les blessés. Vous savez, ma fille est née dans cet hôpital. Et maintenant, je le défends contre les brutes du cartel qui veulent en faire leur putain d'usine à cocaïne. À croire que rien n'est sacré pour eux. Rien sauf la mort, compa. C'est pour ça qu'on est là. Les hommes de l'émissario risquent de frapper d'un instant à l'autre. Il faut qu'on se retranche avant le début des hostilités. Bien compris. Y a pas moyen d'aller au-dessus ? On a donné un coup de pied dans les rebelles se fritent avec la Santa Blanca. On les rejoint ? C'est bon, ça va, vous tenez le coup? Putain, je vise droit, hein, c'est un truc de fou. On est au calme. Lancer comme une merde à culero. Feu à volonté. Frag lancé. Merde. J'avais pas vu qu'il y avait un hélico. Putain, mais quel abruti ce médecin. Il est sorti. Salut Nicolas, salut Akiro. Putain, le médecin il est sorti. Il y a un hélico qui canarde, il faut qu'il sorte pour voir. Ça c'est les touristes. Ça, il a pris son téléphone portable et il a voulu filmer. Pourquoi on m'a mis ici moi? Oui, je suis pas super loin. Bah du coup, toi aussi ça te le fait. Mais carrément ça roule. Hélico de l'Unidad en patrouille, attention. Merde. Un hélico, à terre. Putain. Faut qu'il y ait eu un... Ah, ça c'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol. À plat ventre, un hélico. Je plombe ces fils de pute. L'Unidad a décidé de pointer son cul par ici, on dirait. Mais
Un hélico, tous à terre. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Eliayo a passé l'essentiel de la journée collé au téléphone avec El Emissario. Du coup, on a pu trianguler sa position. C'est le moment ou jamais. El Emissario est dans un sacré merdier. Si on chope maintenant, je te garantis qu'il déballera tout. Donne-nous les coordonnées, on fait le reste. Nidad qui arrive. On sait qu'il est arrivé là où il est grâce à son grand-père. C'est pas vraiment une grosse pointure du cartel, le mec. T'as une meilleure idée? Ouais, on a qu'à le laisser se noyer dans sa merde. Pourquoi on se serait emmerdé à faire toutes ces combines à Okoro sinon? Lui, c'est juste un pion. Celui qui intéresse Bowman, c'est son grand-père. Si El Emissario disparaît, Sueño sera forcé de trouver un autre bouc émissaire à l'instant. Bon, essayons de se barrer. Il y a un sniper là-bas. On a décollé. Je désigne un ennemi. Ennemi numéro 3. J'envoie un autre, ça fait 5. Ouais, je me souviens de ça. Il y a des patrouilles de l'Unidad dans le secteur. Sûrement en réaction à tout le boxon qu'on a foutu à Okoro. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. J'ai un sniper en visuel, ça en fait 20. Il y a tellement de monde. Va falloir y aller tranquille, hein. Défendu l'hôpital contre les hommes d'El Emissario. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. On n'y serait pas arrivé sans vous. Y a pas de quoi, Katari. On ajoute ça sur ta note. Encore une chose. Avant l'attaque d'El Emissario, un de mes hommes a chargé un camion de vaccins pour nous les rapporter. Le problème, c'est qu'il s'est fait arrêter à un point de contrôle et que le camion a été confisqué. Il nous faut absolument ces vaccins, Yankee. Le camion est garé dans une base de l'Unidad. Je sais que c'est beaucoup vous demander, mais je ne vois pas vers qui d'autre me tourner. Bien compris, on va voir ce qu'on peut faire. Cible abattue. Ok, ça va, on est tranquille.
respirer. Ça va, tout va bien. On va essayer de nettoyer au maximum, hein. Que si jamais je me fais voir, ça va être une merde. Mais sans nom. J'ai toujours pas tout ciblé. Il m'en reste encore au moins un. Okay, voilà. Ok, j'y vais. Je l'ai aligné. Il me faut une meilleure position. Avant ça, faut que je trouve une position. Il y a beaucoup de vitres. Cible marquée. Je suis en position de tir. Cible perdue, je répète. Cible perdue. Mais... ok. On approche de la zone cible. Préparez-vous. Bowman crève d'envie de cuisiner à l'émissario, alors surtout vérifiez vos cibles. Il faut qu'on le prenne vivant. Bien reçu. Faut que je trouve une meilleure position. Ça, il va m'avoir ces deux-là. Reçu, cible désignée. Ennemi abattu. Ok, on s'en tire bien. Il reste plus que le groupe 2 devant. Et on est bon. Salut Mandy, comment tu vas? Ça nettoie, c'est ça? Et merde, on est grillé.
nettoyer. Non, moi, c'est bon. Comment tu as deviné? Ouais. Non, bah, ça va, moi. Ouh, le bel hélicoptère à l'arrière, là. Hélicoptère de l'Unidad, ça. Ah, c'est pas là. Putain de merde. Bon, je crois que Bowman va avoir du mal à le faire parler. Il a préféré se tuer plutôt que de faire face à son grand-père. C'est glauque. Je pense qu'on est un peu responsable. Non, non, attends, ne sors pas ces conneries. C'est son choix. Il faut qu'on inspecte le corps. Il a peut-être quelque chose sur lui. Hey, j'ai trouvé une lettre de suicide. Bowman, ici Nomade. On a trouvé à l'émissariat. Il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? S'est suicidé en laissant une note adressée à El Sueño, dans laquelle il revendiquait la responsabilité des destructions de labo à Okoro. Sans doute par honte d'avoir déshonoré son grand-père. Oh, le fils de chien. On tenait El Yayo par la peau des couilles et bim. Comme quoi, il était moins minable qu'on pensait. Il a cédé à la pression, mais pas comme on pensait. Ça arrive. Pourquoi? Tu fais ça souvent? Je fais ce qu'il faut pour accomplir la mission. Comme vous. L'innovation contre le savoir-faire. La technologie contre la tradition. La jeunesse contre l'expérience. La gringa contre El Yayo. J'espérais qu'ils se compléteraient, mais c'était peine perdue. Ils étaient trop différents pour s'entendre. Ça fait des années que j'utilise cette méthode. C'est justement le problème. Notre marchandise était tellement demandée que la production ne pouvait plus suivre. Faites comme vous voulez. Science, vaudou, je m'en fiche. Je veux du chiffre. Sinon, je trouverai quelqu'un d'autre. Cet épisode se termine. Merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. À vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.